Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, je suis en chemise, voilà, je suis plutôt en chemise et pas en chemise. Aujourd'hui on se retrouve pour une course assez spéciale, puisque les gars c'est quoi la salle? C'est les 3 meilleures courses de, bah, du mois de mai, tout simplement. On a fait celle du mois d'avril et ça c'est le mois de mai. Alors il y a des courses que j'ai vu qui étaient dans le top aussi, qu'on avait déjà fait, donc je les ai pas mises. Écoute la salle, est-ce que t'es prêt? I'm ready. Est-ce que t'es ready à tester les 3 meilleures courses de la semaine, donc bien évidemment, enfin du mois pardon, et à chaque fois on notera du coup l'activité sur 10 comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je sais pas si j'utilise le boost. Ouais, oups. J'ai utilisé le boost. Ouais. Oh shit, ouais, punaise, je suis tombé. Alors je suis tombé, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'en fait, tu vois, j'ai le... Comment te dire, j'ai les babouins qui m'ont gâché mon véhicule, tu vois, vu qu'on est en invisible. Donc du coup, je disais, la salle, je rappelle que c'est les 3 meilleures courses du mois. Et tout simplement, il faut pas faire n'importe quoi, bien maîtriser le véhicule. Et franchement, je trouve ça plutôt sympathique. Ok. Pour l'instant, t'es vers où toi, la salle? Là, je viens de passer le wall ride bleu. Et donc là. Faut maîtriser ou pas? Ouais, bah oui, mais c'est easy. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de technique. Quoi. Mais voilà, c'est ça. 6ème, c'est bizarre, j'ai rattrapé pas mal de monde là. Ah non, je suis 9ème. Waouh! Ah ouais, what is this? Je viens de perdre toutes mes places. J'étais 6ème et d'un coup, je passais 10ème. Ok. Par contre, mon frein à main, il veut pas s'activer, il veut pas se mettre. Okay. Ah ouais, bah j'ai fait un accident terrible. Ah ouais, attends, moi 50 places. J'ai atterri en mode what is this shit, what is this flute. Ok, et eh ben écoute, je crois que le parcours on a fini. Je pense que ouais, qu'il restera les gars vraiment que de la course au sol. Mais ce que j'ai à dire, c'est que vraiment la course est sympathique. Elle est stylée, c'est une course à faire vraiment entre potes pour s'amuser. Et ouais, c'est une course voilà à faire entre potes. Après, je dis pas qu'en plus c'est la meilleure course, mais disons que c'est une course que tu fais entre potes, voilà. C'est pas une course hard, compliquée. C'est pour ça que je pense qu'elle est dans les top 10. Et on va pas finir le classé quand même, celle-là, quand même pas. On n'oserait pas. Ok. Et bien à peu près 2 minutes pour finir cette course. Bon, moi j'ai fait un petit peu n'importe quoi. 2 minutes pour faire cette course. La salle, une petite note sur 10. Dis-nous tout. Je mettrais... Moi, personnellement, je mettrais un 7. Moi, je mettrais un 6. Ouais. C'est pas ouf. C'est bien, mais... c'est pas... Tu vois, on a fait des Air de Race qui sont clairement magnifiques. On a fait des courses en Rocket Voltage qui sont incroyables. Là, elle est stylée. Je dis pas qu'elle est pas dégueulasse. Mais... c'est une course pour s'amuser entre amis, pour entre débutants, voilà, quand tu découvres le jeu, etc. C'est une course qui va pas te poser problème. Après, forcément, si vous êtes joueur débutant, il y a des fois où vous allez un petit peu galérer ou quoi. Genre, pendant les wallrides, vous allez stresser. C'est normal. Mais elle est pas mal. 7 sur 10, 6 sur 10 pour la salle. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième course, du coup, qui est top 2. Voilà, la deuxième course. Et ensuite, on aura... Bon, du coup les gars, on se retrouve pour la deuxième course. Donc c'est TBL qui a créé cette course. TBL qui est un des plus grands créateurs de GTA V en course, un très très connu dans le milieu des créations. En tout cas, je pense que cette course, on ne sera pas déçu. Donc c'est la deuxième du classement, mieux notée du mois, je le rappelle, du mois de mai. Et du coup pour l'instant on est pas mal, ouais, je vois qu'il y en a pas mal qui sont tapés le mur. TBL la salle, donc tu connais TBL. Tout à fait. Et écoute, la course elle s'appelle Teletubbies. Donc, pourquoi Teletubbies? Je pense forcément. Teletubbies, c'est quoi? C'est les couleurs, non? Genre jaune, rouge, bleu, vert, noir. Un peu les couleurs de Teletubbies. Et du coup, le meilleur tour, c'est 2 minutes 56. Attends, c'est moi ou tu viens de te taper un mur là? J'ai été perturbé parce qu'on était tous les uns dans les autres et ça m'a perturbé. Ouais, c'était toi. Hein. Ok. Bon, je suis 3ème. Faut pas que je fasse n'importe cette course là, parce que la course d'avant j'ai fait un peu. Wow! Ah ouais, les gens. Ouais, il a bombardé lui, wesh. Il a quoi comme véhicule? C'est la Krieger aussi qu'il a. Ah non, c'est la Wagner. Ils ont la Wagner, je crois.
Ok, du coup, on est parti pour la deuxième course la mieux notée du mois et on commence plutôt bien. Bah, tout le monde est sorti du wallride. What is this? Ah ouais, moi aussi, mais j'ai glissé par contre. Ouais, Je suis pas sorti. j'ai glissé. En bas, moi. Alors, attends, faut bien. En fait, je pense qu'il faut se mettre dès le début. Voilà, genre comme ça. Ouais, je glisse. La Krieger, je pense, c'était pas le bon véhicule. Hein. Aïe aïe aïe, je suis tombé à la fin. Je suis tombé à la fin, non. Ouais, ok. Donc là, c'est une course qui, quand même, n'est pas du tout faite pour un débutant. Voilà, elle est vraiment pas faite pour un débutant. Un débutant peut la finir. Hein. Je dis pas qu'il peut pas la finir, mais pareil, c'est une course à faire entre potes, tu vois, genre tranquille. Ok. Allez. Tu as dépassé la salle? Non, non, Elle non. est magnifique. Hein. Par contre, la course est vraiment magnifique. Hein. Par contre, je vois pas la référence Teletubbies. Tu vois la référence, la salle Teletubbies? Non, non plus. Oula, Je suis déjà pas fan des Teletubbies à la base, mais faut là. faire quoi là? Faut revenir en arrière? Ah! Attends, je comprends pas là. Je sais pas si c'est Je qu'il vois faut qui ils faire. sont, hein, mais de là. De là à trouver une référence, pas vraiment, pas vraiment. Pas du tout même. Après, peut-être que voilà, un télé de bise. Je sais pas, peut-être par rapport à la couleur. Par contre, 2 minutes 56 le meilleur tour. Pour l'instant, je passe bien, moi, la salle, je sais pas toi. T'es premier? Ouais, en partant de la fin. Non! Pourquoi je suis tombé ici? Alors forcément les gars si on connaît pas la course c'est un peu compliqué. Alors je rappelle que j'ai pas en taux hein, vraiment je découvre en même temps que vous. Ouais, ok. Non ça va. En vérité, genre juste. Bah voilà, je suis deuxième. Tu fais la course une fois, genre au bout de 3-4 fois, je pense qu'un débutant peut passer. 3-4 fois. Alors je dirais peut-être pas 3-4 fois, parce que vraiment un débutant noob, genre. Il mettrait quand même pas mal de temps. Genre là par exemple le meilleur tour, le record du monde, c'est 2007. Par contre il y a des gens qui me rattrapent, j'ai l'impression que la Krieger elle a vraiment pas de vitesse. Wesh, il est parti tout là-bas. C'est qui le premier? C'est toi la salle? Mais non, fais flèche du bas, tu regardes. Attends. Parce que là je suis concentré, et je suis deuxième, il y a des gens derrière moi. Ah non c'est Nassim, ok. Ok. Ouais, tu vois, 2 minutes ça consiste le meilleur tour. Hein. On est à 4 minutes, nous. C'est-à-dire là, on a 1 minute de. Ah, mais vous êtes tombé plusieurs fois. Ouais, on a 1 minute de retard. Après, bon, je tiens à dire que 2 minutes 56, c'est parce que le mec a entamé la course plusieurs fois. Nous, on découvre la course et c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc, forcément, c'est normal qu'on mette plus de temps. Bah, écoute, la salle, je vais finir ma course. Hein. Je vois le point final tout au fond. Faut juste pas que je me fasse rattraper par le deuxième, enfin, le troisième, du coup. Ok, et le premier qui est tout au bout là-bas. Qui m'attend, je crois. Ouais, il m'attend. Ah, genre, il va finir en arrière, non? Ah, voilà. Il attendait que je finisse. Du coup, la salle, eh bien, écoute, sympathique. J'ai bien aimé cette course. Si je l'avais à noter la course en termes de création, faut quand même pas mentir, c'est facilement un 8 sur 10. Vraiment, la salle, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que 8 sur 10, c'est bien? Moi, je mettrais 7. 7, ok. Bon bah du coup la salle 7 sur 10 dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à noter si vous avez envie de noter les courses. Du coup c'est les courses du mois. Hein. Je rappelle que si vous voulez trouver ces courses, vous allez juste simplement dans le Rockstar Game, hein, dans Social Club. Et en fait, courses du mois, elles sont là. Elles sont dans le top quoi. Bon, du coup on se retrouve pour la meilleure course du Meilleur mois. A tout de du suite et mois. ce sera la dernière. Eh bien les gars, c'est parti. On se donne du coup bah, rendez-vous dans cette dernière course et c'est la meilleure course du mois la salle. T'imagines? Ok. Alors, Elle doit être pas mal. c'est qu'elle doit être pas. Bah, si qu'elle est meilleure, c'est que normalement elle est mieux que les autres. Après, parfois il y en a, elles sont notées. C'est pas non plus la fantada. La montada. En tout cas, elle est notée à 73%. Donc, tu vois, donc c'est vraiment que elle est pas mal. Alors, déjà, on voit
des tuyaux. Ah ouais. Tout le monde s'est tapé le. Pourtant, il y en a beaucoup qui a la Krieger. Tout le monde a la Krieger d'ailleurs, je crois. Non, il y en a, ils ont des. C'est quoi la voiture qu'ils ont là, celle devant là? Ce que j'essaye de voir, mais. Lui là, il a. Ah, la néon. La néon, non? C'est pas la néo? Non, c'est pas la néon. Non, je sais pas c'est quoi, c'est qui là? Ok, alors, on va commencer du coup le parcours. Donc pour l'instant, rien de. Rien de spécial, rien de ouf. Alors, je rappelle que des fois, il y a des courses qui sont bien notées parce que justement elles sont simples, parce qu'elles passent bien ou parce que les gens aiment bien. Bah, c'est des Krieger la nuit, non? Ah ouais? Attends, on dirait pas. Ouais. Ok. Je suis sur le côté là, ça, je suis sur le côté. I can do it! I can do it! Allez, allez! Allez! Allez. Ah ouais, elle est vachement. Elle est vachement courte la salle. Ok. Comment courte? Bah en gros, comme pas courte, mais genre c'est un peu space quoi, c'est toujours la même chose pour l'instant. Bah écoute, moi. Mais dans des tuyaux, ok. Bon, meilleure course de la semaine, honnêtement, pour l'instant, c'est pas la fin, hein, mais. Comparé aux autres, t'as quoi à dire? Bah écoute, je suis en plein dedans, je suis premier, donc bah, elle est pas finie quoi, hein, donc je sais pas, on est même pas à la moitié encore. On est dans... Ah ouais? Ah ouais, on a 19 sur 43, ah oui, d'accord. Oula. Ok. Ah ouais, ça j'aime bien. Ça par contre c'est sympathique, tu vois. T'es premier toujours? Ouais. Ok, troisième pour ma part. J'essaie de prendre la vitesse les gars en allant sur les côtés. Non. Quoi? Comment j'ai pu exploser comme ça la salle? Alors la salle j'ai explosé sur le côté. Bah ça me rappelle ta vidéo pareil, hein, 10 choses à savoir sur GTA 5 la salle, mais comment j'ai pu exploser sur le côté la salle? What the fuck? T'es toujours premier? Oui. Ouais bah moi écoute j'ai explosé assez bizarrement. Alors c'est j'ai l'impression que c'est une course tube. C'est vrai, je suis d'accord. C'est une course tube donc vraiment il y a rien de ouf hein. Il n'y a rien de ouf, mais je vais dire à la fin c'est laquelle m'a préférée en course. Après voilà, comme je dis, c'est vraiment une course à faire entre potes. Mais tu vois, je trouve ça dommage, parce que le fait d'être que dans des tubes et de pas avoir mélangé, de mettre genre des tubes et pas des tubes, genre faire un mélange des deux quoi. Bah du coup je trouve que ça gâche un peu la course, parce que si tu fais cette course avec tes potes, tu pourras pas genre doubler tes potes. Genre il n'y a pas de concurrence en fait, parce que t'es que dans des tubes. Et se doubler dans des tubes, bah c'est pas comme si tu doublais genre dans un tournant ou dans un virage ou dans un. C'est un peu bizarre. Vraiment. Bah, personnellement, j'ai fait de 8ème à 1er, donc ça va. Bah, bien joué, bien joué. Alors en termes de création, combien tu mets la salle? 9. 9? Non mais sérieusement. Non mais là je te dis pas 9 parce que t'es premier. Note vraiment en termes de création. Bah moi j'ai fait une course parfaite. Oui mais non mais c'est... En termes de création, tu mettrais pas 9. Là t'as un jury la salle. T'as un jury, tu dois choisir la meilleure course des 3. Tu mets 9. C'est à dire c'est celle-là la meilleure. Juste parce que t'es premier ou juste parce que t'aimes bien? Non parce que je trouve qu'elle était technique. En fait je trouve que c'était technique parce que fait, hein. Pour doubler les gens, j'ai dû user de plusieurs techniques. J'ai dû user de rouler sur le côté, les mini-trottoirs et tout, donc non, j'aime bien. Ok, bah écoute, franchement, pas du tout 9 sur 10 pour ma part, moi je mettrais plus un 6 sur 10. Parce que c'est que dans des tubes en fait, donc il n'y a pas de création en soi, tu vois, c'est... Après je dis pas que la course est dégueulasse, hein. La course est très bien, mais comme j'ai dit, c'est une course à faire entre potes, mais pas spécialement parce que bah, on peut pas vraiment se doubler, tu vois, c'est bizarre un peu. Moi j'ai doublé tout le monde donc oui mais toi tu connais les techniques, mais je te parle, il n'y a pas de virage, tu vois, c'est... tu peux pas, tu vois,
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il y a pas de, il y a que du tuyau. Donc encore, il y aurait du tuyau plus de la, pas de la plateforme normale quoi, de la route, ça aurait été mieux, je pense. Bon, en tout cas, elle était pas mal du coup, ma préférée moi pour ma bah, du coup ça reste la deuxième, celle de TBL. On cesse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez trouver les courses, je le rappelle, ça se trouve, les gars, tout simplement dans le Social Club. Si vous voulez jouer avec nous, vous devenez membre et vous jouez avec nous sur PS4 et PS5. N'hésitez pas.